Oh putain, c'est une blague? Ah non, 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 non. Oui, bonjour, je suis bloqué dans l'ascenseur. Ah, c'est un problème, ça, monsieur, en effet. Écoutez, je vois ce que je peux faire. Vous me dites s'il se passe quelque chose? Alors là? Non. Et là? Non, toujours pas. Il y a de la musique disco qui se lance. J'entends pas ce que vous dites, il y a de la musique là. Non, je dis il y a de la musique disco, oui, qui s'est lancée dans l'ascenseur. Mais pourquoi? Bah j'en sais rien, c'est vous qui l'avez mis, enfin. Ah, bon, écoutez, d'ici 10 minutes, il y a un technicien qui arrive, monsieur. Hein. Bon, merci madame. Monsieur. Dans la merde. Toc toc toc! Y'a quelqu'un? Oui, y'a quelqu'un, oui! Ah voilà! Bah ouvrez-moi! Non, je déconne! C'est la fiesta là-dedans! Pourquoi vous avez mis la musique disco? C'est pas moi, c'est l'ascenseur! C'est mieux là, non? Oui, merci! Eh, tiens! Alors. Ah! Bon, ça va être compliqué, hein. C'est les caps super en 2-4, monsieur. Ah bon? Ouais. Je vais être obligé de revenir demain, hein. Ouais. Non, mais je déconne. Vous êtes un déconneur, vous, hein? Ouais, on me dit souvent. Elle adore ça, moi. Ah, déconne, ça le connaît. J'arrête pas. Tiens, dans 5 minutes, je commence les blagues de cul, hein. Non, c'est bon, ça ira. Bon, vous pouvez m'ouvrir, s'il vous plaît? 2 minutes. Attendez, vous bouffez, là? Ouais. Vous foutez de ma gueule? Les milliers d'écarts, c'est ma pause, hein. Ben, elle dure combien de temps, votre pause? On est lundi, donc 10 minutes. On est mercredi. Ah bah, donc 1 heure. Oh putain, 1 heure? Vous savez quoi? J'arrive dû prendre l'escalier. Mais elle a fermé. Vous pouvez bien prendre 5 minutes pour mourir. Eh ben, vous êtes idiot ou quoi? Je dis j'étais en pause. Mais qu'est-ce que je vais faire pendant 1 heure, moi? Et vous avez pas Flappy Bird, Doodle Jump, machin truc sur votre smartphone, non? Non. Coup dur. Bon, je vais pas laisser ça comme ça. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis toujours bloqué dans l'ascenseur, hein, parce que votre collègue, qui était en retard de 3 quarts d'heure, décide de prendre une pause 1 heure. Ah, mais décidément. Vous n'avez pas Flappy Birds, quelque chose comme ça? Mais non. Ah, mais écoutez, monsieur. Bon, écoutez, j'essaie quelque chose. Ah, j'ai trouvé. Ah! Non, mais j'ai trouvé comment arrêter la musique. Ah. Bon, ben, je vois plus qu'une seule solution. Passez-le-moi, s'il vous plaît. Bon, machin! François. François, venez. Oui? Oui, bonjour, je suis Daniel Troubidou, le responsable du pôle... Daniel? Ben, Daniel, c'est François Pouchillon. 5e C, école Ballambois. Ça te rappelle quelque chose? François Pouchillon? Mais alors, quelle bonne surprise! Le tombeur de Céda! Mais t'es con, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a pu rire en classe de Madame Vropel. Tu te rappelles ce qu'elle nous disait tout le temps? Elle nous disait balaye devant ta porte. Oh, quel bon souvenir. Écoute mon Daniel, faut que je te laisse parce que là je vais en pause. Donc tu me rappelles quand tu veux. On se fait une bouffe tranquille ou tranquillade. Ça marche? Je t'embrasse, bis. Balaye devant ta porte. Vous foutez de moi là? Ah non, elle disait vraiment ça, un balai devant ta porte. C'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai fait? Tiens, une blague.
Que c'est la différence entre une bonne femme et un gros cul? Ah, j'ai mon compte en fou, hein! J'ai mon compte en fou, hein! Oh, mais pourtant, elle est excellente! Et tapez pas là-dedans, vous allez la casser! Bon, vous voulez combien pour me faire sortir d'ici maintenant, là? Ah, rien! Je vous donne 50 euros. Écoutez-moi bien, monsieur. Moi, François Pouchillon, on ne m'achète pas. 100 euros. Bon. Eh, mon bon cœur me perdra. Merci. Bon, les portes s'ouvrent dans 30 secondes. Vous êtes sauvés. Putain. Soulagé ? Écoutez, je suis désolé de m'être emporté tout à l'heure, je vous ai sous-estimé. N'inquiétez pas. Si, je m'inquiète. Je m'inquiète parce que j'ai blessé un homme aujourd'hui. Un homme qui voulait juste travailler. Un homme qui méritait sa pause. Une simple pause finalement. Moi, je devrais en faire plus des pauses, mais je... Oh, s'il n'y avait pas cette porte métallique entre nous, je crois que je... Je crois que je vous prendrais dans mes bras. Allez. On oublie tout ça. Ouverte la porte dans 5 secondes, l'ami. 3, 2, 1, 0. Dans mes bras, mon pote. Non, mais non. C'est bon. Non, qu'est-ce qui se passe? Non, mais je vais régler ça. Oh, mais quel con!